et Baudouin, c'est Alexandre qui vous parle, et on se retrouve pour le 4e petit épisode de ma petite série, ça fait beaucoup de petites, mais on s'en fout. Et donc, vous souvenez, enfin, ou alors vous vous souvenez pas, dans le dernier épisode, j'ai été sur le point d'arriver aux nouvelles élections, donc je suis en pause parce que... Faut que je vérifie un truc, je reviens tout de suite. Je suis heureuse qu'il y ait une nouvelle église sur l'île. Jésus nous a enseigné des choses importantes. Tendre l'autre joue, faire du ski nautique. Bon, honnêtement, moi je tends l'autre poing plutôt que l'autre joue. Mais après, j'ai des remords. Et re tout le monde, donc oui, j'espère que au montage j'arriverai à vous mettre le morceau de l'autre qui parle là. Donc sinon vous vous demandez pourquoi est-ce que je fais eh oui tout le monde, d'accord, oui, enfin voilà. Donc la nouvelle église s'est construite. Et il y a des gens qui travaillent, c'est très très bien. Tout ça, ça va permettre d'augmenter la satisfaction. Parce que pour l'instant elle est à moins 2, donc bon. Ça va, tout ça. C'est bien, là vous voyez, ils sont contents. Là. Déjà j'ai construit la nouvelle église, 56 tout de suite. Faut que je reprenne le jeu en main, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Résolument, je tourne un autre truc. Pas tout seul, avec quelqu'un. Ah oui, j'avais dû les envoyer un exploit. Viva el presidente! Ya. Ya. Oui, donc ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Et donc, je sais plus ce que j'avais fait là. Je comptais construire mon usine de trucs là. Mon usine électrique. Sauf que je me souviens plus du tout où est-ce que j'en étais. Parce qu'en fait, j'ai pas. Presidente! Par la présente illuminelitis, je sollicite votre personne physique pour ordonnance de novation visant l'augmentation salariale du dit penultimo si après t'es signé en tant que penultimo. En cas de procédure irrégulière manifeste et non règlement du litige, vous serez reconnu coupable de tyrannie et le jargon juridique sera enseigné dans les écoles tropiciennes. Oui, super. Ah d'accord, j'ai débloqué la constitution. Donc j'ai deux trucs de constitution. Ok. Droit d'être universel, état laïque et conscription, ça je vais pas modifier ça. Et ça, chaque policier... Ah oui, c'est bien. Non, si on a quoi? État totalitaire. Les fraudes vont. Ah ouais, non, ça fait des rebelles. Les élections sont fréquentes, il n'y a plus de soulèvement. Ouais, on va prendre la démocratie. Enfance heureuse. Travail pour tous. Ouais, non, on va pas mettre ça parce que bon, les gens vont pas être contents. L'écran qui est pas assez grand. On a le masque coupé. Paradis du travail. Retraite anticipée, satisfaction du travail. Bah je mets ça, comme ça les gens sont contents. Ah oui, parce que ça me fait perdre de l'argent. Bon, ça va, je sais pas trop. Et nation d'immigrants. C'est bien, parce que pour l'instant j'ai pas énormément de gens qui viennent. J'applique mon saut. Voilà, merci. On va pouvoir faire une nouvelle petite recherche. Comment est-ce qu'on fait déjà? C'est avec la mauvaise, c'est avec la mauvaise. En espérant que vous m'entendez pas sur le record. Oh oui, j'ai des bases militaires. Avec des chars d'assaut et tout. Je crois que j'ai pas de problème de son, vous m'entendez bien. Cette fois je pensais à mettre mes écouteurs, donc vous n'entendez pas la musique du jeu en double et les paroles surtout. 58 contre 42. Voilà, rentrez à l'épicerie. Ouais, pourquoi pas. Où est-ce qu'il est? Nicolas, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est dans... Ah bah voilà! Il a emménagé dans une cage à lapins. Bah c'est super! Mais c'est super ça! Où est-ce qu'il est notre ami? Il travaille dans quoi? À votre service! Il travaille au doc. Bah voilà, bah c'est très bien! C'est très bien!
Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là, monsieur, les voitures de mafieux, tout ça, c'est pas trop trop conseillé. Hein. Mais, faut pas vous sélectionner? Ah non, à mon avis, là, il n'y a plus que son chauffeur. Là, du coup, oh, le voiture qui a fait un virage, c'est pas. Hola! Hola, bonsoir! C'est. Non, c'est pas. Bon, je vais arrêter de regarder mon concurrent, parce que je ne sers à rien, tout simplement. Et je vais plutôt construire des choses. Parce que combien coûte la centrale électrique? Ça coûte 12 000. Il va falloir plus de thunes. Il va falloir plus de thunes. Et puis un truc, c'est que j'ai pas envie de la construire ici parce que ça. Nous avons une chance d'influencer les résultats des prochaines élections. Ce n'est techniquement pas tout à fait légal, mais il est garanti que personne ne s'en rendra compte. Je pense qu'avec 60 contre 40%, je pense que ça va, hein, je veux dire. Ici, qu'est-ce qu'on avait comme gisement? On avait du bauxite. Ah non, celui-là, je l'ai pas. Ah d'accord. Super. Ici, on a du une grande et longue route. Voilà. D'accord, je peux pas aller plus loin que ça. Je sais pas, merci, si j'ai cru que j'avais pas assez de thunes. On va venir jusque là avec notre grande route. Ensuite, on va venir jusque là. On va contourner la montagne de manière plutôt stylée. Et on va venir jusqu'à la mine. Voilà. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à construire notre mine. Et une fois qu'on aura assez, on construira notre centrale électrique. Arrivée de 13 citoyens tropicaux, ça commence à faire beaucoup de personnes. Oui, d'accord, c'est les 13 citoyens qui vont faire la nuit. Allez, vous avez vu ce mouvement là? Attendez, je vous le remontre. Est-ce que ça vous paraît normal? Voilà. Wow. C'est par des pièces. Non mais sérieusement, ce jeu, c'est vraiment la drogue. On n'a rien d'autre qui se construit. Inviter une puissance étrangère dans l'ambassade. Pour ça, il faut que je fasse la recherche, et pour l'instant, c'est pas la recherche que j'ai lancée. En parlant de recherche, je crois qu'il y a moyen d'accélérer les recherches. Il y a moyen d'avoir deux bibliothèques. Ce que je vais faire. C'est dans. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Ça génère l'efficacité des points de recherche. Et l'efficacité va être augmentée sur des terrains en hauteur. Sauf que l'île est absolument plate. Oui, monsieur Lille. Lille est absolument plate, donc bon, c'est pas tellement utile. Peut-être par là, là, dans les coins. Et non. Non, non, Lille est plate, mais plate, quoi. On va le faire genre à côté, on va le faire par là, là, dans la forêt. Voilà. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Ça fait 9000. Oui, d'accord, ça rigole pas. Chose que je vais faire, c'est que ça là, celui-là, je vais laisser ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire un bureau des chantiers là-bas, là, pour que les constructions se fassent bien. Parce que là, vous voyez, les voitures viennent à peine d'arriver, là. Elles viennent à peine d'arriver, donc le temps qu'elles arrivent, ça fait perdre énormément de temps. Donc je vais construire, comme d'habitude, bureau des chantiers, bureau des routiers. Ensuite, là, je vais construire des écoles. Ok, je suis passé en déficit, normalement ça aurait pas duré. Toujours un petit bateau qui arrive. Dans la ferme. Niveau route commerciale, j'en suis à où? Il a l'air un peu bizarre. En route commerciale, j'ai que du bauxite que j'exporte et ça s'exporte bien, ce genre. Sinon, je peux exporter du tabac, du cacao, ça s'exporte pas du tout. Je peux
Je vais sortir de l'or, ce que j'en ai pas. Et si j'en ai ou pas. Je trouve c'est de l'or et puis en fait, je veux dire que j'en ai pas, alors qu'en fait j'en ai. Et donc c'est... C'est de l'or, attends, mais... je pense que je vais m'en aller, hein, parce que c'est de l'or. Enfin, je pense que vous avez deviné, vu les couleurs du truc. Mais sérieusement... Quand prévu l'assaut? Comme ça, ça prendra un peu de temps. Je vais très revenir plus tard. Ici, j'ai rien, j'ai pas de mine, à part cette charbon qui est là. Ensuite, ici, j'ai rien, à part celle-là de fer que j'ai trouvé. Un gisement de pétrole. Ah, je pense que j'ai plus de pétrole aussi. Ici, donc je pense que j'ai exploré tous les gisements ou presque de l'île. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ici, comment est-ce que ça avance? Très lentement, à ce que je vois. Ils ont construit la mine, c'est bien. J'ai plus de thunes, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que ça vient, les bateaux, là? Ah, ça va me ramener. Ça vend du bauxite, donc c'est super, parce que le bauxite, c'est super cher, comme vous le savez. Ou alors, vous le savez pas, et bah, c'est mal. Poisson et du fer. Putain, j'ai du poisson. Ça marche bien. Population des poissons rares. Ouais, surtout pour la consommation locale en fait. Ça en produit 281. Consommation locale 9. Ah oui, non, en fait, non, on exporte beaucoup plus que ça consomme. Localement, je veux dire. Travaille bien. Non, je voulais pas construire une plantation. Mais non, mais. Chaque fois, je me trompe de bouton. C'est la molette qu'il faut utiliser pour tourner la caméra. Voilà. Donc j'ai toujours notre petite ville, tout ça. Avec mes deux forts. En fait j'essaie de me situer dans les trucs. Enfin dans la partie comme ça. Je suis toujours en fait un peu en mode qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois. Donc moi le manac. Qu'est-ce que. Voilà. Centre de sécurité publique, ça descend mais en chute libre. Divertissement, cela c'est bien. Nourriture, ils sont super contents. Santé, c'est pas trop la vie. Logement, donc en 135, je sais pas si c'est beaucoup en fait. Ce 35 morts par manque de soins, c'est depuis le début du jeu. Donc ça va continuer à augmenter, ça va pas les rétrécir, ils sont morts. 22 en avril, c'est pas trop chômeur. Centre super, bâtiment de dégâts 0. Ouais, et bâtiment religieux. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire une école. Enfin, un collège. Voilà. Je vais construire un lycée. Fournir une éducation au niveau lycée. C'est bien, attends, c'est un lycée. Ça serait cher. Donc, je vais... Putain, il y a plein de cailloux partout. Attendez, je vais construire d'autres cages à la... Est-ce qu'elles sont pleines, ces cages à la base? 12 sur 12, 4 sur 12, 6 sur 12, 12 sur 12 et 12 sur 12. Ok. Donc, pour l'instant, elles sont pas encore totalement remboursées. Mais ça vient, ça. J'espère qu'ils vont vite venir en. J'espère qu'ils vont vite. Ah, une quête. Avance. Est-ce que je me construis une distillerie de rhum? Parce que le rhum, c'est un produit à partir de sucre, je crois. Ça coûte super cher et c'est à partir de sucre. En l'occurrence, moi, comme plantation, j'ai que du maïs et de l'ananas. Je pourrais changer, sauf que j'ai pas envie. Et en plus, la distillerie de rhum, ça coûte super cher. Donc je vais tout simplement abandonner la quête. Enfin, je vais pas la faire. Je me disais bien qu'un jour le jeu allait se mettre à glitcher. Je me disais bien que ça pouvait pas continuer comme ça avec les bateaux. C'était obligé. Ici, ils ont construit. Yeah! Ils ont construit le bureau des routiers. C'est pour le bureau des routiers. Ils ont construit le bureau des chantiers. Comment est-ce qu'on fait pour construire un bureau des chantiers quand il n'y a pas déjà de bureau des chantiers? Parce qu'il faut un bureau des chantiers pour construire le bureau. Ouais, enfin, vous avez compris. Le truc, c'est que. Après, je sais qu'on va pouvoir faire du tourisme. Donc le truc que je vais faire, c'est que le tourisme, au départ je pensais le faire sur cette plage, mais si je mets mon usine, donc là où il y a toute la Présidente,
Nous avons découvert les chars d'assaut. Quelqu'un avait laissé les clés dessous pendant une exposition militaire, alors nous l'avons chippé, et puis nous avons conquis la plus grande partie de l'Europe, jusqu'à ce qu'il tombe en panne sèche. Du coup, nous l'avons démonté, puis ramené à Tropico. Maintenant, il suffit juste de savoir comment on le remonte. Bonjour, Penultimo. Arrête de me couper la parole, on est marre. Donc je disais, si je mets mon usine militaire, oula, faut que je me calme. Si je mets mon usine électrique, je vais juste lancer une recherche, ça me stresse ce point d'action. Bonne manière, délégation alliance. Ouais. Ah ouais, je construis une ambassade pour faire cette quête que j'ai depuis 38 ans. Alors, ambassade. Je sais pas du tout où est-ce que c'est. Voilà, je vais rechercher la technologie de drapeau blanc. Non mais sérieusement là, c'est où ça? Je crois que je l'ai passé, donc vous êtes en train de crier devant votre écran là. Mais c'est sérieux. Ouais, c'est là. Oh non, non, je vais pas faire bonne manière, juste faire ambassade drapeau blanc. Enfin, ambassade et ensuite, bonne manière. Ici, ça construit tranquillement notre bureau des chantiers pendant que les navires exportent. Ah, ici, ils ont ouvert l'observatoire. Ouh, vous pouvez voir la caméra, c'est rigolo. Parce que c'est des images de synthèse, donc en fait, elles ont pas été filmées avec une caméra. Oui. Voilà, donc maintenant que j'ai un petit peu de thunes, je vais construire ce que je comptais construire. C'est-à-dire quelque chose dont je me souviens plus ce que je voulais construire. Ouais. Si, c'était un lycée. J'ai plus beaucoup de... Ça va me mettre en déficit. En fait, je sais pas trop où le mettre. Parce que, en même temps, ici on a le quartier des pauvres, là. Et ici on va avoir le quartier riche. Donc en même temps, tous les élèves vont aller... Ici, faut que je bute ces maisons et que je mette des cages à l'appareil. Donc, tous les élèves vont y aller, qu'ils soient riches ou pauvres. Et en même temps, j'ai pas envie de le mettre à côté du palais présidentiel, parce que bon, j'ai pas envie. Donc si je le mets là, les riches vont pas être contents parce qu'ils vont pas en avoir. Si je le mets là-bas, les pauvres vont pas être contents parce qu'ils vont devoir aller dans le quartier riche. Je vais la mettre là. Parce que pour l'instant... Non, je vais pas la mettre. En fait, je vais la mettre par là, là. Je vais faire une sorte de contournement, là. Par exemple, au niveau de ça. Je vais faire venir la route comme ça. Voilà. Non, tu viens juste tout droit. Voilà. Et comme ça, on a la route qui vient tout droit, comme ça. Et donc là, on va faire tout ce qui est les infrastructures. Genre, donc, le lycée par exemple. Ah bah c'est... Je pense sur une université. Parce que d'abord faut que je fasse un lycée. C'est rigolo. Enfin non, c'est pas trop rigolo. On l'a fait en face de l'épicerie. J'essaie de supprimer les deux cages à la porte, parce que je peux pas. Au fait, donc je vais la faire plutôt... Ouais, ça je vais la faire là. Non, je vais la faire là. Ouais, non, je vais plutôt la faire de ce côté-là. Voilà. Donc, un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être que si vous avez... Oui, allez-nous-en, bande de cailloux. Si, au début où je les ai sortis, vous avez regardé les vidéos sur Tropico, et quand vous les avez re-regardées, vous avez remarqué qu'il n'y avait plus la musique. Peut-être, ou alors vous n'avez pas fait ça, et donc vous n'avez pas remarqué qu'il n'y avait pas la musique. Mais, seulement parce que, étant donné que sur YouTube, ils nous font chier avec les droits d'auteur, eh bien, j'ai pas le droit de mettre des musiques qui sont utilisées par les droits d'auteur, enfin, qui ont des droits d'auteur, quoi. Et donc, quand j'ai mis ça, ils m'ont fait un avertissement en disant... Enfin, ils m'ont fait un avertissement, mais ils m'ont dit que sur la vidéo, il y avait un contenu qui appartenait à un tiers. Quelqu'un qui ayant monné... Attendez, je viens pas de voir un camion se volatiliser. Attendez, j'ai peur, là. J'en regarderai au montage, mais... Donc je m'y mets. Étant donné qu'ils nous embêtent avec les droits d'auteur, j'ai été obligé de supprimer la musique parce qu'ils me disaient que j'avais
J'avais un truc à toi pour l'auteur parce que la musique appartient seulement à quelqu'un. Enfin, les droits d'auteur, c'est-à-dire ça appartient à quelqu'un. Donc j'étais embêté, donc j'étais obligé de supprimer la musique. Enfin, la musique du jeu. C'est-à-dire que même si j'ai acheté le jeu, oui, je l'ai pas craqué pour ceux qui se demandent. Je sais même pas si on peut le craquer. Mais du moins, je l'ai acheté. Et puis, est-ce qu'il reste beaucoup de charbon ici? Le gars, il fait une explication et puis d'un coup, non, est-ce qu'il y a beaucoup de charbon ici? Ici, il y en a encore plein. Et ici, niveau bauxite, il y en a plein. Il n'y en a plus beaucoup, vous avez vu beaucoup. Du fer, ok. Donc, je disais, j'ai supprimé la musique parce que même si j'ai acheté le jeu, la musique ne m'appartient pas. C'est plutôt bête. Alerte, Presidente! Il a reçu un message des traducteurs du jeu. Il refuse de traduire, je cite, les clichés grotesques sur la prétendue lâcheté militaire de leur pays. Ils nous ont envoyé deux billets tarifs étudiants pour la galerie des batailles, une minimap menant à Verdun et une fan art du maréchal de Lattre. On devrait la jouer diplomate avec eux. Ils ont fait leur service au 152e RI. D'accord, Penultimo peut communiquer avec les traducteurs du jeu. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, non, en fait. Je vais pouvoir construire une ambassade, n'empêche. Pourquoi est-ce que cette église était une église? Ça parce que les gens ont décidé de partir à l'école. Donc en fait, non, étant donné que l'école, eh bien, elle permet d'avoir une éducation lycée et que les gens qui sont dans l'église ont déjà l'éducation de lycée. Monsieur, il va falloir réparer. Non, mais dans ce jeu, les glitchs, on en voit. Hein. Je sais pas si c'est des glitchs. Enfin, je pense qu'en fait, ils ont carrément rien à faire. Ils ont dit, c'est un jeu de gestion. Au pire, le graphisme, c'est pas super important. Je veux dire, il est beau le jeu. Regardez, c'est forêt et tout. Bon, après, quand on regarde un peu plus en détail, c'est un peu plus bourrin. Quand on regarde les virages des voitures, regardez-moi ça. Hop, traversé. Bon voilà, après je critique pas du tout ce jeu. Bah si je critique, mais j'aime bien, j'adore ce jeu. Ah, petite quête. Vous l'avez sûrement entendu, ou alors pas. Mais c'est dommage. La trépitante bille amoureuse de votre famille est à l'origine d'une grossesse inattendue. Bon bah on va construire une église. Déjà une église là dans le quartier pauvre, donc on va la faire plutôt dans le quartier riche. Là où il n'y a pas encore de maison pour les riches. Donc c'est tout qui sert à rien. Mais on s'en fout. Oh, une caserne. Alors, une église. Là, en face de l'opéra. Vous savez, les gens, quand ils sortent de l'opéra, ils peuvent aller à la messe. Ouais, non, en fait. Et en fait, si je la descends, je la mets à côté de la mine. Ah, alors, est-ce que je peux la caler là? Non. À la limite, je vais la caler derrière, là, comme ça. Voilà. Ouais, non. En fait, je vais la mettre comme ça. Oui, à chaque fois que je place un bâtiment, je me pose des questions. Est-ce que ce serait pas mieux de le mettre comme ça ou comme ça ou... Alors comme ça, peut-être. Oh, il va exporter pour cette mine de marchandises. Qu'est-ce que t'as acheté pour exporter pour cette mine, toi? Beaucoup de choses. Dont beaucoup de maïs. C'est pas tout, en fait. Eh, mais en fait, j'ai beaucoup. Oula, oula, on a vu le glitch, on a vu. Ou alors vous l'avez pas vu et donc bah c'est pas grave. Ah j'ai deux plantations là. Oui qui avait pas remarqué. Ananas et maïs. À la naissance de l'héritier, tous les animaux se turent. Une lumière brilla dans les cieux et le chupacabra vint s'incliner devant les nourrissons. En tout cas, c'est ce que l'on écrira dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire. Il faut rouler les R. L'efficacité de tous les bâtiments dont le budget est au maximum au moins de 1. Non, parce que je ne mets pas le budget des bâtiments au maximum. Superviseur. Oh, c'est bien ça. Pollution. Non, surtout écologie, c'est beaucoup mieux. Ah coucou. Regardez-moi cette tête. Tu prends la tenue Napoléon, toi. Parce que moi, je suis dictateur, toi, tu vas prendre la tenue Napoléon. Voilà. Du rose foncé, quoi. Sérieusement. Tu vas prendre du noir. De la vie, c'est bien. Pas du violet, non, ça ira. Prends plus du rouge. Le noir, ça va bien. On peut aller changer ses cheveux, s'il te plaît. Ouais, si. Heureusement. Regarde-moi cette moustache. Je peux lui mettre des cheveux, ouais.
Non, ça ira. Non plus. On va lui mettre ça. On va le mettre ça. Je peux le tourner. Oula, c'est les commandes sont inversées. Regardez-moi ça. On va le mettre comme ça. Ça fait tellement peu Napoléon, c'est pas grave. Couleur des cheveux roux. Je vais pas changer parce que je trouve ça un tout petit peu illogique. Chapeau. Tu vas mettre un chapeau. Oh. Le dictateur. Tu vas mettre des lunettes. Oh. Est-ce qu'il y a des lunettes genre un peu à la Harry Potter, mais en plus gros? Tu vas prendre un. Non. Non, non. Ouais, non, tu vas pas prendre un accessoire. Voilà, c'est bon. Regardez-moi ça. Et la même tête, hein. Bon, voilà, vous en avez absolument rien à foutre. Voilà, donc ça c'est fait. L'église a terminé de construire. Super, bon, si les bateaux vous pouviez exporter, sauf que. Oh, merci pour la thune, les amis. Ah merde, j'ai pas la musique. C'est vrai. Désolé. Camarade presidente, nos rêves de révolution sont en danger. D'après les communistes, la qualité de notre révolution laisse à désirer. Vous avez bien fait la révolution, c'est de la merde en fait. Résultat de notre dernière étude. Les diplomates étrangers sont en moyenne 45% plus souvent en accord avec les nôtres si ces derniers pètent moins ou sentent moins fort. Une étude de groupe a démontré que 33% des diplomates étrangers n'aiment pas que leurs confrères rotent à table. Enfin, ils sont 95% à considérer que danser nu sur les tables en chantant l'hymne tropicien est un comportement indécent. Qui l'eût cru? Pourquoi? Me dis pas que c'est les diplomates de Tropico qui font ça quand même. Calsèche, ça fait quoi? La carte de Tropico est révélée. Alléluia. Ah non, c'est du truc. Compétence de directeur pour les bâtiments militaires, socialisme, nouveau décret. Je vais plutôt faire la Calsèche. Ouais, la Syrie, je la ferai plus tard. Justement, j'ai envie de la faire plus tard. Et j'ai toujours pas assez de thunes. Je peux avoir la thune du bateau ou non? J'ai pas le droit. 6 000 de marchandises, j'aimerais bien en voir la couleur des 6 000 de marchandises. Enfin non, vous pouvez les garder les 6 000 de marchandises, mais je veux dire les 6 000 euros de marchandises. Même si c'est des dollars tropicaux. Ou alors autre chose. Ne chante pas la musique, ne chante pas la musique, ne chante pas la musique. On va faire. Donc il faut qu'on construise deux petites cages à lapins. C'est de lapin résidence. 3 000, ça coûte cher. On va le faire à côté de l'église. Et une deuxième là. Voilà, comme ça c'est fait. Juste avant que la thune revienne. Je peux même faire une ellipse comme ça. Pendant qu'on y est, bah ça fait environ une demi-heure que je tourne. Ça vous fait donc une demi-heure de vidéo. Et c'est donc là-dessus, sur la construction de ces deux cages à lapins que vous voyez ici, que je vais vous dire rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!